Je suis tout à fait ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne Chris Sinclair Show, bien évidemment. Je vous donne ce petit rendez-vous pour qu'on ait une petite discussion de choses et d'autres, bien évidemment, et qu'on partage un petit peu. Enfin, je vous partage mes expériences et puis vous n'hésiterez pas dans les commentaires, si vous le voulez bien, de dire ce que vous en pensez, si vous avez eu des expériences par rapport au sujet du jour. Alors aujourd'hui, j'avais très envie, les amis, d'aborder le côté, comment vous dirais-je, devenir propriétaire et vous donner mon expérience par rapport à tout ce qui s'est passé donc depuis plus d'un an et demi, puisque ça fait un an que nous avons déménagé dans cette nouvelle maison. C'est la première fois qu'en France, à l'étranger je l'ai été, mais bon, pas dans une façon sympathique, je dirais. Ici, c'est la première fois que je suis devenue propriétaire, avec mon mari bien sûr depuis un an, et il y a des erreurs, voyez-vous, que je ne recommencerai pas. Aussi, je voulais gentiment vous les proposer, vous les partager si vous le voulez bien. Alors quand on a pris la décision, en fait c'est pas moi qui ai pris la décision, c'est mon époux qui a pris la décision d'acheter une maison. Alors pour moi, si vous voulez, c'était à 10 000 lieues lunaire de ce que je désirais véritablement, voyez-vous. Et il est parti en quête d'une maison. Alors c'est vrai que la toute première maison, elle était, alors je peux vous le dire aujourd'hui, elle était sur Saint-Marcel-et-Valence, c'est à une dizaine de kilomètres de Valence, enfin c'est juste à côté, hein, bien sûr, même pas une dizaine de kilomètres, je crois, quelques kilomètres, voilà, 2-3 kilomètres, ouais, quelque chose comme ça, voilà, de Valence. Sur le moment, quand j'ai vu la maison, j'ai eu un coup de cœur, franchement. C'était une toute petite maison, d'accord, elle ne faisait que 60 mètres carrés, je crois, mais il y avait une possibilité de faire une extension sur l'arrière, si vous voulez, qui nous aurait permis d'agrandir cette maison d'une façon magistrale. Et quand j'ai vu cette maison coup de cœur, et la propriétaire en voulait une blinde, d'accord, une blinde, d'accord. Donc là, j'ai dit, on ne pouvait pas, manifestement, je se prenais pour Crésus, enfin, qu'importe. Donc, on a dû stopper cette histoire. Bien qu'ayant un apport personnel, on a fait appel, mon mari, on m'a dit, on va faire appel à un courtier. Or, c'est vrai qu'au niveau bancaire, bon, j'ai travaillé dans ce milieu-là autrefois, au Crédit Commercial de France, pour ceux qui ont su, qui connaissaient. Je restais une petite année au Crédit Commercial de France, où c'était vraiment très très bien. Mais je ne connaissais pas, je m'occupais du service juridique, d'accord. Donc je ne m'occupais pas du tout du service commercial, enfin le rapport immobilier et autres. Donc je ne savais pas trop comment faire, et mon mari m'a dit, on va prendre un courtier. Donc, on a pris un courtier, on est tombé sur une société au demeurant, bon, je ne vais pas donner le nom, le type un alcoolo, mais un alcoolo de première et un frappadingue. Donc, en finalité, donc, il nous avait soi-disant trouvé pour un apport, allez, je vais vous le dire, de 250 000 euros pour la maison. Donc, vu mon apport, donc, ça permettait d'avoir quelque chose de très joli. Et finalement, il nous racontait Il nous racontait des carabistouilles tout le temps, voyez-vous. Et c'est là où j'ai appris, les amis, il est important de faire les choses par vous-même. C'est une erreur, parce qu'on l'a quand même payé 2000 euros, ce garçon. Mais de ne pas commettre l'erreur d'appeler un courtier. Alors, je sais que je ne vais pas me faire des amis dans ce milieu-là, mais c'est une évidence qu'il faut bouger votre popotin. À titre personnel, si vous voulez, je pensais que... On pouvait, quand une banque
voilà, vous disiez non, ben, tout le restant des mêmes agences vous dirait non, ben, c'était faux. Voyez-vous, à Valence, on nous a dit non, et dans le village où nous habitons, il y a la même société, mais qui nous a accordé le prêt qu'on a demandé. Voyez-vous, donc quoi ? Comme quoi, c'est quand même formidable. Alors, je vous dirai les amis, donc n'hésitez pas à pousser les portes des agences par vous-même, comme ça déjà vous ferez une belle économie pour vous-même, d'accord ? Dans un deuxième temps, donc on a continué à avoir d'autres maisons, puis alors, vous savez, j'en avais rien à faire, hein. J'étais bien dans mon petit appart à Valence, enfin j'étais comme en campagne, je faisais mes vidéos, je travaillais, enfin, etc. Donc je m'en fichais complètement. Et puis à un moment donné, à force d'être déçue, vous savez, à un moment donné, j'ai dit à mon mari, je m'en fous. Vraiment. Et nous sommes tombés sur la maison que nous avons actuellement. L'encouragement que je vous donnerai, les amis, au lieu d'aller dans une agence immobilière, alors encore une fois, je ne vais pas me faire des amis du côté des agences immobilières, j'avais dit à mon mari, il faut s'adresser à un notaire. Pourquoi ? Parce que les notaires ont quelque chose de particulier. D'abord, on n'aurait pas de commission, pas de frais d'agence, ce qui s'est passé pour nous. Et ils ont énormément de biens sous la main. En plus, vous pouvez bénéficier de leur expertise, concernant ce domaine-là, le domaine notarial. Voilà. Alors moi, j'étais pas du tout branchée sur le sujet, donc j'ai appris énormément de choses grâce à cette notaire qui est dans mon village aussi, d'accord ? Dans mon village, c'est un gros village, si vous voulez. Un gros village, petite ville. On est proche de la petite ville. Et donc, elle nous a donné plein de conseils. Donc, quand on a vu la maison sur le bon coin, je vais vous le dire sincèrement, nous avons trouvé cette maison, quand je l'ai vue, j'étais pas convaincue. Puis, nous sommes rentrés. Et là, il s'est passé un événement très important. C'est une maison à au rez-de-chaussée, puis un premier étage où sont les chambres. Et quand j'ai vu le volume des pièces, parce que le volume m'intéressait, j'ai vu que je pouvais faire mon studio, mon occultum, et je voulais minimum deux grandes chambres, et nous avons deux grandes chambres de plus de 16 mètres carrés chacune, donc elles sont très spacieuses, si vous voulez. Et j'ai dit à mon mari, tu restes en haut avec le monsieur qui nous a présenté le bien. Je me suis mise dans la pièce de vie parce qu'il faut vous expliquer, il y avait tout à refaire. C'était une maison des années 70. C'était une maison qui datait de plus de 50 ans. Et je me suis dit, tiens, regarde, ressens ce que ressens, fais appel aux énergies, demande-leur ce qu'elles en pensent. Tout était excessivement positif. Je me suis mise aux quatre coins de la pièce centrale. J'ai vu que le sol correspondait au même sol qu'avait ma maman dans son appartement. Je me suis dit, il y a quelque chose là. Il y avait vraiment tout à refaire. Heureusement, j'avais quand même un mari bricoleur, donc pour moi, c'était facile de se projeter. Il y avait tout à refaire. Mais ce qu'on a pu remarquer d'entre Dieu, c'est que la maison était saine. Pas de problème d'infiltration, pas de problème d'étanchéité, rien du tout. Et ça, c'est aussi important. C'est pour ça qu'aujourd'hui, mon conseil, si vous achetez un bien ancien. Parce que vous aurez tous les défauts en le visitant, vous le verrez tout de suite. Si vous avez un bien qui a été rénové récemment, posez-vous des questions. S'il n'a pas été rénové, je vous dirais, et que vous ne voyez rien, pas de moisissure, rien du tout, ça veut dire que c'est topissime. En plus, avec cette maison, nous avons eu, plus tard, quelques surprises agréables. Donc, comme quoi, c'était la bonne maison. Quand nous avons... j'avais un montant défini, je ne vous dirai pas le montant, mais j'avais dans ma tête un montant défini. Je savais que le secteur où on venait là, dans cette maison, était un secteur très prisé par les Valentinois. Pourquoi ? Parce qu'il y a une question de sécurité, parce que la police est très présente,
La police municipale est très présente. Nous avons un maire d'exception, un voisinage d'exception. Et je me suis dit, ok, le monsieur descend. Il est avec mon mari, il descend les escaliers. Il voit mon regard et il me dit, elle était à 3000 euros que le budget, je m'étais fixé. Moi, quand j'ai quelque chose dans la tête, je ne l'ai pas ailleurs. Donc, je m'étais fixé ce prix-là. Et quand il est descendu, il me dit, ok, je vous la fais à ce montant-là. Donc, au montant que j'avais décidé dans ma tête. Et là, j'ai dit, c'est bingo, c'est le bon endroit. Ce que je peux vous donner comme conseil, les amis, quand vous achetez une maison, il faut faire le tour du quartier. Bon, le quartier, je connaissais très bien parce qu'il se trouve qu'ici est enterré mon papa. Donc, je connaissais tout le quartier, je connaissais la façon de vivre, les us et coutumes du village et compagnie. Donc, je connaissais tout ça. Et quand j'étais rentrée d'Angleterre, c'est un secteur que je fréquentais puisque mon ex-conjoint était à 3-4 km de cet endroit-là. Donc, il est très important, les amis, d'en connaître, de connaître le lieu. Parce que bien souvent, on voit le bien, mais on ne voit pas l'entourage. D'accord ? Vraiment très important. À la suite de ça, donc voilà les amis, concernant la maison, je me suis dit, il y a un véritable potentiel. La maison m'appelait. En plus, la dame qui était partie, qui était décédée, donc elle avait 74 ans, elle se prénommait Anne-Marie. Et j'ai senti un véritable appel de cette personne en me disant, tu seras bien dans cette maison. Donc, j'ai laissé faire les choses de ce côté-là. J'ai dit à mon mari, c'est celle-là. En plus, nous sommes juste à côté, enfin, pas très loin de son travail. Vous savez que personnellement, je travaille à la maison. Donc, j'ai dit, génialissime. Nous avons signé les documents chez le notaire au 15 novembre, je crois bien, le 11 ou le 15, enfin, je ne sais plus, mais dans cette phase-là, donc 2022, et j'ai dit à mon mari, je te laisse faire, parce que moi j'étais dans une mauvaise année, j'étais en année numéro 2, et j'ai dit, c'est pas le moment pour moi de prendre les rênes. Alors, nous avons fait les choses, mais je vais vous dire quelque chose. Déjà, si vous achetez, donc comme je vous l'ai dit précédemment, si vous achetez un bien, les amis, allez chez un notaire, parce qu'ils ont des biens à proposer qui pourraient vous surprendre. Ce que je vous conseille également, évitez d'acheter une maison neuve, parce que vous pourrez avoir des désagréments concernant la construction. Il y a plein de gens qui se font avoir, ou de jeunes couples qui se font avoir avec ça. Alors qu'une maison qui a 50 ans d'âge, forcément, vous verrez les défauts tout de suite. Donc, nous avons signé le compromis. Donc, c'est à peu près 3 mois, je crois, entre le compromis et la remise des clés. Et entre-temps, si vous voulez, l'astrogo que nous avions eu comme courtier nous a trouvé effectivement dans notre village la banque qui s'occupe de nous aujourd'hui. Et nous sommes tombés sur une directrice d'agence extraordinaire. Je le dis bien le mot extraordinaire parce que depuis, c'est vraiment une personne qu'on a envie. Alors, ce n'est pas une amie, nous n'avons que des relations professionnelles, mais c'est une personne adorable, une dame, bien sûr. Et qui nous a dit la phrase suivante, quand on a signé avec elle, hein, puisqu'on avait les autorisations, elle nous a dit, il ne faut pas faire appel au courtier, il faut vous bouger vous-même, parce que sinon, vous vous ferez avoir. Voilà. Donc aujourd'hui, je vous conseille de ne pas prendre votre courtier, prenez votre téléphone et prenez des rendez-vous avec plusieurs agences, même de la même société de banque, mais d'autres agences. L'une va vous dire non, puisqu'on était à Valence, dans cette agence nous avait dit non, et dans le village où on est, on nous a dit oui. Voyez-vous ? Donc on a compté les jours, on a compté les heures, on est bien compte pour venir dans la maison, parce qu'il y avait tout à refaire. C'est une évidence. Alors, je vais vous rendre hommage un petit peu à Anne-Marie, la dame qui habitait ici. C'est une dame adorable, qui était mariée, 4 enfants, qui a vécu dans cette maison. Et en se mariant, et vous comprendrez pourquoi, je vais vous dire les choses après concernant le notaire,
qui s'est fait bananer par son mari, c'est-à-dire le mari a foutu le camp avec une petite jeune drôlesse en lui laissant les quatre enfants à élever. Elle s'est débrouillée dans cette maison. Et elle regrettait toujours de n'avoir pas pu faire les travaux nécessaires parce qu'elle n'avait pas les moyens tout simplement. Et tous ses voisins m'ont dit que c'était une femme adorable. Et si je vous parle de ça, c'est pour une raison importante. Parce qu'il s'est passé beaucoup de choses après, justement avec Anne-Marie. Par la suite, donc, avec le notaire, on a discuté ensemble. Une dame absolument formidable, d'où l'intérêt d'avoir d'excellents rapports avec les gens, voyez-vous, parce que les gens vous donnent de véritables conseils. Elle nous a dit, donc, pas de problème, tout était fait si vous voulez signer avec la banque et compagnie. Et elle nous a dit, vous devez, j'avais un apport personnel, je vous l'ai dit, qui était quand même conséquent. Et j'ai dit, moi, j'ai pas envie de me faire avoir. Pour avoir eu, on a tous eu des moments dans la vie où on s'est fait bananer, soit par le conjoint, d'une façon ou d'une autre, on s'est fait avoir. Ça a été le cas pour moi en Belgique notamment, en France aussi, en Alsace. Donc je dis, on va pas non plus, on va pas jouer les lapins nés de 7 jours. Donc en discutant, si vous voulez, avec la notaire, elle m'a dit, ok, on peut marquer dans l'achat que vous avez un apport personnel de tel montant. Ouh, j'ai dit très très bien. Ça fait que si un jour il se produit quelque chose, ce sera notifié que j'ai. Vous savez, la vie, on ne sait jamais, hein. Vous savez ce que je veux dire. Voilà. On peut être très bien un jour et plus bien le lendemain. Donc j'ai dit, ok, c'est ma maison. Donc on a pu mettre, il faut le savoir, si vous êtes marié et que vous avez de l'héritage personnel et autres, vous notifiez dans le contrat, dans l'acte notarial, vous notez que vous apportez tel montant. Vous pouvez aller jusqu'à la moitié du prix du bien. Important à savoir. Et en parallèle, on a fait une donation au dernier vivant. Donc c'est en plus pour ne pas être embêté, bien sûr, au cas où je parte ou que mon mari parte avant. Au moins, on n'est pas embêté. Le conseil, les amis, si vous prenez un bien, je vous dirais, il faut que vous prévoyez comme si vous l'achetiez seul. Pourquoi? Parce que si dans le temps vous avez des soucis, quels qu'ils soient, l'homme fout le camp ou la femme fout le camp, ou vous voyez ce que je veux dire, ou alors partent définitivement au ciel ou autre, au moins il faut que vous achetiez un bien dans lequel vous vous dites, pardon, ok, je me projette dans le temps. Et que ce bien soit gérable pour vous. C'est-à-dire qu'il faut prévoir, vous puissiez faire notamment passer la tondeuse, enfin, vous voyez, des choses essentielles, pas que vous soyez embêté. Et c'est là où mon mari a eu quelque chose d'intelligent, puisqu'il y avait des travaux à faire dans toutes les pièces ici. On devait reconstruire la cuisine, on devait tout partout. Enfin, la pauvre, j'en veux pas Anne-Marie, parce qu'Anne-Marie était vraiment une personne adorable. Mais je vous dirai, les amis, donc on a refait toutes les pièces en moins d'un an. Enfin, mon mari a tenu. Enfin, il le voulait. Hein, il adore bricoler, donc il n'y avait pas de souci. Mais si vous avez acheté un bien à deux en vous disant, ok, c'est parti pour le restant de notre existence, mais si vous vous retrouvez seul, vous ne pourrez pas gérer la situation. C'est ce qu'on appelle la passion, la raison, d'accord? Ce sont deux choses bien distinctes parce qu'avec le temps, la passion s'atténue et les problèmes restent. Donc, il faut être dans le côté raisonnable. Je vous encouragerai aujourd'hui, les amis, d'acheter un bien. Bon, alors, j'avais annoncé, je crois, que tous les biens chuteraient. Et puis, on m'a dit, oui, mais au octobre, novembre, décembre, ils ont légèrement remonté. Et là, c'est à nouveau la chute. Je vois ici, dans notre secteur, il y a encore 2-3 maisons à vendre, mais ils sont restés au prix d'autrefois. Donc, elles ne se vendent pas. Nous, on a eu la maison ici à 45 000 euros du prix du marché. Normalement, il y avait des travaux certes. Il y a beaucoup de gens qui sont venus la voir, mais elle nous attendait, ça c'est une certitude. On en est convaincus, mon mari et moi, aujourd'hui. Ce que je vais vous dire par là, il faut acheter aujourd'hui. Pourquoi? Enfin, aujourd'hui, dans les temps qui viennent. Pourquoi? Parce que c'est important.
C'est important pour vous. Est-ce que, bon, par rapport à toutes les guignoleries qu'ils font actuellement, vous voyez de qui je veux parler, faut pas vous arrêter à ça. Vous foncez. Si je suis en France aujourd'hui, bon, vous savez que j'ai une deuxième maison au Portugal, mais c'est pour d'autres raisons administratives, mais je ne vais pas rentrer sur le sujet. Et c'est un bien qu'on a eu, un coup de bambou qu'on a eu de la part d'un ami, Marco, qui habite au Portugal, enfin qui habite, qui est portugais, mais qui vit à la fois en France pour des raisons professionnelles et là-bas. Donc il a géré toute la situation et c'était juste le bon moment pour, c'était au mois de novembre, donc pour avoir des opportunités. Voilà, après, bon, je vous en parlerai un peu plus tard. Donc pourquoi je vous encourage? Parce que vous voyez, j'ai une amie qui est influenceuse qui habite près de Montélimar. Je ne vais pas vous dire où elle habite parce que je la connais. Et puis elle est très connue aussi, bien sûr. Elle est d'origine parisienne et elle a emménagé là-bas. Ils ont pris, bon, ça n'a rien à voir la vie avec Paris et le monde rural. Oui, parce qu'elle est vraiment en plein milieu des bois et quelque part, c'est très bien pour elle. Ça lui permet de se recentrer, de ne plus être dans le paraître et dans l'être. Moi, elle a des milliers d'abonnés, enfin, c'est quelqu'un qui est très très reconnu, que j'estime beaucoup, mais dont je ne donne jamais le nom parce que ça fait partie de mon relationnel. Et il loue une maison. 1200 euros par mois. 1200 euros qui ne servent à rien. Ça veut dire qu'ils ont par mois 12 000, 12 000 plus 2 400, ça fait 14 400 euros de jeter à la fenêtre tous les ans. Je lui dis, il faut acheter. Bon, elle m'a dit, je ne suis pas prête parce que il faut le temps que je m'habitue, savoir si elle va rester. Elle est un peu entre deux pour l'instant parce que la vie parisienne, je peux la comprendre, mais la vie pas de la campagne, mais la vie rurale ou tout au moins provinciale n'a rien à voir. Et donc, si vous voulez, les amis, je vous dirai la chose suivante. Il faut véritablement avoir un toit sur sa tête, mais mettre la raison en avant, un bien dans lequel il faut vous projeter seul. Seul au cas où l'autre s'en aille pour des raisons simplement sentimentales parce que ça colle plus, mais vous êtes maître chez vous et vous pouvez gérer votre maison. Ce qui est le cas ici, pour moi, si quoi que ce soit arrive, je suis chez moi, hein, de toute façon, mais je peux gérer la situation. Concernant Anne-Marie, la petite dame, la première nuit que je suis venue coucher et que j'ai couché dans ma maison, elle est venue en pleine nuit, elle m'a caressé le visage et caressé la jambe droite en me disant qu'elle me faisait un bel accueil, mais qu'elle ne désirait pas partir. Enfin, c'était une âme d'exception, cette dame. Et chaque fois qu'on a fait les travaux, parce qu'on a fait pièce par pièce, je la sentais présente avec un sourire, heureuse de voir sa maison, parce que pour moi c'est toujours quelque part sa maison aussi. Prendre ce tournant-là, être dans la beauté et dans l'excellence. D'accord? Donc aujourd'hui, je peux vous dire oui, ma maison, alors ça fait peur quand j'en parle dans mon entourage ici, voisinage. Anne-Marie est toujours présente dans la bienveillance et vraiment, c'était une belle dame. On a fait une découverte, parce qu'il faut vous expliquer, notre maison, on a découvert, c'était une maison témoin. Et en faisant mettre la climatisation par une société très bien qui s'appelle Valence Climatisation à Saint-Marcel et Valence, que je vous encourage à aller voir parce que ce sont des gens très bien qui nous ont fait un très très bon travail. Thomas et Rudy vous recevront, ça y a aucun problème. Et en découvrant, en ouvrant les murs, vous savez, pour mettre les tuyaux là, vous savez, pour la clim, enfin, je connais rien en technique, hein, voilà, on a découvert qu'en fait nos murs, c'était une maison, donc une maison, enfin une maison type si vous voulez, et ils avaient mis de la laine de verre à l'intérieur, c'est-à-dire c'est du béton, et ils ont mis de la laine de verre, oui, maison témoin. Et j'ai dit alors là, topissime. En plus de cela, si vous voulez, on découvre au fur et à mesure que cette maison est exceptionnelle et qu'elle nous correspond. Vraiment. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui j'ai du mal à partir de ma maison. Je reste des journées entières à travailler, bon à distance, mais ça vous le savez déjà. Et ce que je vais vous dire par là,
Je n'en voulais pas au départ, mais avec le recul, quel bonheur de vous investir pour vous. Tous mes amis qui étaient déjà propriétaires me disaient « Chris, le jour où tu auras ta maison, tu verras la différence. » Alors au départ, je les brocardais un peu, je leur disais « Mais non, mais non, mais non, mais non. » Et ben oui, c'est vraiment la différence, ça nous a posé, c'est vraiment, on est dans un équilibre de vie exceptionnel. Donc, si j'ai un conseil à vous donner les amis, faites jouer la concurrence au niveau des banques, des agences, allez voir sur les sites, vous savez, comme Le Bon Coin ou quoi que ce soit, pour voir des maisons qui sont au niveau des notaires, d'accord, des études de notaires, parce qu'ils font très très bien leur travail. Et en plus, vous n'aurez pas les frais d'agence immobilière et vous n'aurez pas les commissions. Donc, vous risquez de faire d'excellentes affaires. Et les maisons qui sont en succession des fois, puisque c'était le cas pour nous, ils ont vite envie de se débarrasser de la maison pour ne pas avoir des problèmes à payer, bien sûr, tout ce qui est électricité, tout ce qui est foncier, etc., etc. Et c'est compréhensible. Deuxièmement, je vous conseille, c'est d'acheter une maison qui soit en rapport avec vos possibilités personnelles, où vous puissiez vous en occuper vous-même. Si c'est une maison où vous dites, bon, on achète à deux, on construit à deux, donc on prend un projet maximal, si vous vous retrouvez seul, vous serez obligé de vendre votre maison parce que vous ne pourrez pas tout simplement vous occuper de l'entretien. Parce que c'est de l'entretien une maison. Mais quel bonheur! Voilà. Et surtout, pour les maisons, parce que là, je vois, alors, il y avait sur M6 une émission des couples qui sont fait avoir en achetant une maison sur plan ou quoi que ce soit. Et ils se sont fait bananer parce que les sociétés ne sont pas toujours sérieuses. Donc, si vous achetez une maison, prenez une maison qui date de 50 ou peut-être plus. D'accord, voyez s'il y a des travaux à l'intérieur, vous pouvez les faire vous-même. D'ailleurs, je vous dirais, comme on est passé l'autre jour, si vous voulez, à Leroy Merlin. Et à Leroy Merlin, je me suis rendu compte qu'il donnait des cours de bricot. D'ailleurs, beaucoup de femmes se mettent au bricolage actuellement. Voilà ce qu'on pouvait dire concernant cette propriété, être propriétaire et le bien-être, enfin tout ce qui se passe actuellement de merveilleux dans ma vie, des nouvelles rencontres, des gens, mais de qualité, de classe, voyez-vous. Voilà. Et ça, c'est aussi important. Je vous souhaite une bonne journée. D'accord? Je vous embrasse fort. Et on se retrouve ce vendredi sur cette chaîne pour d'autres aventures. De quoi nous parlerons, je n'en sais rien. Mais j'ai envie de revenir vers vous avec des sujets qui vous concernent, qui me concernent, parce que je pense que c'est plus important pour l'instant dans les temps compliqués dans lesquels nous sommes, oui, actuellement. Gros bisous tendres, bonne journée. Au revoir.